أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour comme il nous a demandé de le louer et de le remercier. Et lui également nous a promis qu'en le louant, il va nous accroître en bienfait. Donc, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons à Allah qu'il fasse par sa grâce que nous ayons une longue vie, la santé, qu'il exauce nos vœux, qu'il pardonne à tous nos défunts musulmans, incha'Allah ta'ala. Donc, sans toute forme de transition, nous continuons avec notre thème. Le thème général, c'est Al-Haïdu, la menstruation. Et nous avons traité le thème, nous avons parlé de beaucoup de questions relatives à ce thème. Mais tout ce que nous avons dit le dimanche passé, comme on l'a si bien souligné, ce n'est pas dans le livre Al-Akhdari. Mais c'était très important de connaître. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Comme d'habitude, notre séance, c'est une séance d'enseignement. Donc, dans l'enseignement, on a besoin de savoir. Celui qui dispense les cours, il a besoin de savoir si ceux qui écoutent, est-ce qu'ils sont attentifs, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils suivent réellement. Donc, on va essayer de poser la question à savoir. On a bien dit que le thème, c'est le thème des femmes. Ça concerne les femmes. Mais nous sommes les maris des femmes, les papas des femmes, les frères des femmes. Nous sommes tenus responsables pour elle, donc nous avons l'obligation de connaître ce thème-là. Et il y a des parties dans le thème qui nous concernent même directement. Donc, on peut poser la question. Il y aura des réponses. Non, on a dit qu'il y a trois types de sang au niveau des femmes. Qui peut nous les citer? Parce que quand tu ne connais pas, tu vas mélanger les sujets. Nous avons dit qu'il y a trois types de sang que l'islam a dit que ça concerne les femmes. Le premier type, c'est Al-Haïd, la menstruation. Non, 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 c'est fini. Un, c'est bon. On va demander une autre personne. Deuxième, c'était quoi? Oui. Le sang de l'accouchement. On appelle l'alochi. C'est très bien. Ça fait deux. Il reste un. Oui, non, toi tu as déjà dit. Qui encore? Aïe. Donc tout ce qu'on dit là, ça. On va prendre les noms. Hein. Et là, ouais, le troisième. Ouais. Le sang de la maladie, c'est très important. Le sang de la menstruation, Al-Haïd, ça c'est normal, c'est pas maladie. Le sang de la lochie, lorsqu'elle accouche, ça c'est normal, c'est pas maladie. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Est-ce qu'il faut aller voir le médecin pour ça? Non. Mais le troisième là, le sang de la maladie qu'on appelle en arabe dans le fiqh al-istihada, là c'est inquiétant. C'est la maladie. Si on ne va pas voir le docteur pour ça, ça peut causer de mauvaises choses après. Mais si tu ne connais pas, tu vas prendre tout que c'est la même chose. Pourtant, tu es en train de gâter le futur de la femme comme ça. Elle va te dire que mon mari, ah, ça dépasse le temps. Hein. Non, c'est la même chose là. Toi, tu aimes bouffer l'argent, c'est pourquoi tu veux aller voir le docteur. Ou bien, il y a d'autres sujets qui nous concernent. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, comme c'est le point un peu délicat, les hommes ne sont pas habitués. On va tolérer ici, on va passer un peu. Mais c'est important de connaître. Et nous filmons. Nous enregistrons les audios, c'est pour partager.
pour qu'on puisse écouter, réécouter, pour pouvoir connaître. Quand ça te mélange, tu as l'audio, tu as la vidéo, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook. Tu vas écouter, tu te ressaisis. Parce que réellement, il y a des choses que c'est pas facile que ça reste dans la tête. Tel que soujou de sahou. Quand tu oublies, tu as fait 2 rakats ou bien tu as fait 3 rakats, comment on répare ça? Même souvent les oustaz, même ça les mélange. C'est quelque chose, quand ça te mélange, tu as besoin d'aller reprendre le livre pour regarder. Il y a des sujets comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, nous avons parlé de beaucoup de choses. On ne va pas revenir là-dessus. On va continuer directement. On a parlé de la définition même de la menstruation, du point de vue linguistique et théologique musulmane, bien sûr. Donc, deuxièmement, on a parlé des types de sang. On a parlé aussi de quand est-ce que la menstruation commence chez la femme, c'est-à-dire chez la jeune femme. On a parlé de ça. Quand est-ce que la menstruation s'arrête? À quel âge ça s'arrête? On a parlé de ça. Et lorsque la menstruation vient, le temps minimum, la durée la plus courte que ça fait, on a expliqué. Aujourd'hui, on va commencer aksarul hayd, ay aksaru muddatil hayd. La durée la plus longue qu'une menstruation peut faire. Et c'est ça qui est dans le livre. Et c'est par là qu'on va commencer, dans le livre. Donc, avant de pouvoir donner cela, l'auteur du livre nous a dit « وَالنِّسَاءُ مُبْتَدَأَةٌ وَمُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ » Pour pouvoir connaître la longue durée de la menstruation, il faut connaître les types de femmes. Parce que chaque groupe de femmes a sa durée bien connue. Donc, le premier type, Mubtada'atun. Les femmes, les dames qui voient nouvellement la menstruation, c'est-à-dire la première fois même. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, Al-Mu'tadatun. Une femme habituelle. Une femme qui a un nom habituel. Une femme qui a une durée habituelle. Habituellement, ça fait tel jour, elle connaît déjà son jour. Ça fait deuxième groupe. Le troisième groupe, Hamilun, une femme enceinte. Mais là-bas, lorsqu'on va arriver, on va bien expliquer. En tout cas, l'auteur du livre, Al-Akhdari, dit que pour connaître la durée la plus longue de la menstruation, il faut connaître d'abord ces trois types ou ces trois groupes de femmes. Celle qui voit pour la première fois, elle y a sa durée. Celle qui est habituée chaque jour ou bien chaque mois, elle a 8 jours, elle a 7 jours, il y a ce groupe aussi. Et le troisième groupe, c'est la femme enceinte. Il va commencer par la femme débutante, celle qui débute dans la menstruation. فأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما. Donc ce livre que nous lisons ici, il y a une erreur de frappe. C'est l'Akhdari, mais le commentaire de Cheikh Saada Touré du Mali. حل المسائل في شرح مختصر الأخضري بالدلائل. Ici, هناك خطأ مطبعي. إذن فأكثر الحيض المبتدأ ici c'est écrit عادتها. هذا ليس بصحيح. خطأ مطبعي. Ça c'est une faute de frappe. C'est la machine qui a fait erreur. Donc فأكثر الحيض, la durée la plus longue, للمبتدأتي, pour la nouvelle femme ou bien pour la femme qui voit nouvellement sa menstruation, 15 يوما, c'est 15 jours. C'est-à-dire, j'ai une fille, elle a 9 ans. Dans sa 9e année, elle vient de voir nouvellement, pour une première fois, sa menstruation. Sûrement, elle va courir pour aller dire à sa maman, pas à moi. Et une bonne femme va préparer sa fille même, avant que ça vienne. Il ne faudrait pas que ça va venir quelque part là-bas à l'école, elle va avoir peur pensant que c'est une mauvaise chose. Mais une femme qu'il y a un dialogue entre elle et sa fille, une femme qui est souciante de sa religion, qui est souciante de l'éducation de son enfant, son éducation religieuse également, elle va préparer l'enfant. Ma fille, quand tu vas voir tel
hein, il y a telle chose qui va se passer. Quand ça se passe, il ne faut pas avoir peur. Voilà comment faire, il fait. Mais toi, papa aussi, ça doit se trouver que il y a déjà une complicité entre toi et maman. Tu fais à toi, madame, à notre fille, elle a 7 ans, elle a 8 ans. Bientôt, elle doit avoir sa menstruation. Si ça vient là, comment elle doit faire? Parce que peut-être, il n'y a pas eu de causerie entre vous pour ça, pour elle-même, au sujet d'elle-même. Mais il y a notre fille. Elle va dire, bon, on doit... Ah non, c'est pas comme ça en fait, c'est comme ça en fait. Ah, donc c'est comme ça toi tu faisais. Voilà comment souvent les causeries viennent, et puis on peut traiter certains sujets. Bien. Donc, pour une première fois que cette fille de 9 ans là, ou de 10 ans là, ou de 12 ans comme la médecine dit, que généralement c'est 12 ans, mais selon la théologie musulmane, c'est 9 ans. Et nous avons bien souligné que les femmes se diffèrent selon les contrées. Peut-être quelque part où il fait froid là-bas, ça commence vite. Ou où il fait beaucoup chaud là-bas, ça commence tard. Je ne sais pas, c'est un exemple seulement que je donne. Donc il faut tenir compte de ça. Le monde est très vaste. Et à cause des températures de la terre ou de l'atmosphère, notre corps même peut changer certaines choses. Bien, donc cette fille-là qui va voir nouvellement sa menstruation, si ça vient un jour, deux jours, trois jours, c'est coupé, c'est normal. Trois jours, ça n'est pas coupé. Quatre, cinq, six, c'est normal. Quelle est la limite de la durée? 15 jours. Lorsque cette nouvelle fille-là, cette fille de 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, pour sa première fois, et la menstruation a duré jusqu'en 15e jour, khalas, c'est fini. Ça ne veut pas dire que peut-être que le sang ne va pas continuer à couler. Non, ça va peut-être continuer. Mais la charia dit que ce n'est plus al-haïd. Ce n'est plus la menstruation. Ça devient maintenant al-istihada. Le sang de la maladie. Elle devient automatiquement mustahadatan. Une femme qui voit un saignement de maladie, ce n'est pas normal. Après les 15 jours. Et toi, papa ou maman, à ma fille avoir pour une première fois, ça fait 16e jour, c'est pas arrêté. Non seulement elle doit continuer à prier, elle doit se nettoyer, continuer à prier, 16e jour, 17e jour, mais on doit courir vite pour aller à l'hôpital. Vous voyez comment l'islam est bien structuré, l'islam s'est bien programmé. On fait la différence entre la religion et ce qui rentre peut-être dans le cadre de la santé. J'espère que c'est compris. Dans le livre, il dit que c'est 15 jours. Il n'a pas dit que lorsque une fille va voir sa menstruation pour une première fois, ça doit faire 15 jours. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Au moins, ça va faire 2 jours, 3 jours. Ça, c'est le minimum. Mais au plus, ça ne doit pas dépasser 15 jours. Si là c'est compris, on va passer maintenant au deuxième groupe, au deuxième type de femme. Une femme qui a 20 ans, une femme qui a 25 ans, une femme qui a 30 ans. Et depuis ces années-là, elle voit sa menstruation. Et elle a un nombre spécifique. Elle a des jours spécifiques. Elle est habituée à un nombre. C'est celle-là qui est appelée Al-Mu'tadatu. Une femme habituelle. Une femme habituée. Habituée à un homme précis. Donc, wa aksarul haydi lil mu'tadati adatuha wa lil mu'tadati adatuha. La femme qui est habituée à un homme, la durée la plus longue de elle, sa menstruation, c'est son homme habituel là. Elle est habituée à 7 jours. Donc, c'est ce qu'elle doit faire. Chaque mois, elle doit compter 7 jours. Maintenant, la menstruation, souvent, ça peut bousculer, ça peut mélanger. Donc, fa in tamada bihadam. Lorsque le sang va continuer à couler, elle, ça fait 10 ans maintenant, chaque mois, c'est 7 jours. Et dans la 10e année, ça dépassait 7 jours. C'est ce qui est fa in tamada bihadam.
lorsque le sang va continuer à couler, qu'est-ce qu'elle fait? Zadat salasata ayam. Tout ça, ce n'est pas écrit dans le livre. C'est une faute. Une faute de frappe. Saktotun. Donc, fa in tamada bi haddam. Lorsque cette femme qui a 30 ans, depuis l'âge de 12 ans, par exemple, elle a commencé à avoir la menstruation, ça fait 7 jours ou 8 jours, par exemple, et c'est lorsqu'elle va atteindre 30 ans, ça va déborder, ça va dépasser les 7 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Zadat salasata ayamin. Elle ajoute 3 jours. 7 plus 3, ça fait combien? 10. Et ces 3 jours qu'elle va ajouter sur les 7 jours-là, tout ça là, c'est considéré comme la menstruation. Et dans le fiqh, ces 3 jours-là, on l'appelle al-istizhar, ay al-intizor. Elle attend 3 jours, plus son homme habituel. Les 7 jours qu'elle a l'habitude de voir depuis 10 ans là, ou depuis 20 ans, le mois dans lequel ça va déborder, elle ajoute 3 jours. Après ces 3 jours-là, le total fait 10 jours, tu'addu mustahadatan. Elle devient automatiquement une femme qui voit un saignement maladif, un saignement de la maladie. Ce n'est plus normal. J'espère qu'on a compris cette partie. Je reprends. Le premier groupe, la femme qui voit nouvellement, on a bien compris ça. La durée la plus longue, c'est 15 jours. Après ça, elle est considérée maladive. Le deuxième groupe, la femme qui a un homme habituel. Moi, j'ai donné l'exemple de 7. Ce n'est pas obligatoire que ça soit 7. Ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 9. Mais en tout cas, le nombre qu'elle est habituée à voir ses règles durant ces nombres-là, l'année, le mois dans lequel ça va dépasser, la charia dit qu'elle doit ajouter 3 jours. Et durant ces 3 jours-là, elle ne prie pas, elle ne gêne pas. Tout ça, là, c'est considéré comme al-haïd, la menstruation. C'est après ces 3 jours-là, maintenant, elle est considérée comme maladive. Ça, c'est bien compris. Mais il y a un petit souci. Si on n'a pas bien compris, on va mélanger. Malam tujawiz khamsata ashra yawman. Tant que ces 3 jours d'ajout qu'elle va faire là, ajouté au nom habituel, ça ne va pas dépasser 15 jours. Exemple. Peut-être qu'une femme quelconque, elle habituellement, depuis qu'elle a vu la menstruation, elle voit la menstruation 13 jours. Il peut y avoir une femme comme ça. Chaque mois, elle voit 13 jours. Tout cela, c'est considéré comme al-haïd, la menstruation. Le mois ou bien l'année que ça va dépasser ces 13 jours-là, on a dit qu'elle ajoute combien de jours? 3 jours. Quand tu ajoutes 3 sur 13, ça devient combien? 16. Ça, c'est pas normal. Parce que ça a dépassé 15. Donc, pour cette femme précisément qui voyait 13 jours là, le mois ou l'année dans laquelle ça va dépasser, elle n'ajoute pas 3, hein, c'est 2 elle doit ajouter. C'est-à-dire, à partir du 13e jour, 14e jour, elle se considère toujours en menstruation. 15e jour, elle se considère toujours en menstruation. 16e jour, non, elle n'est plus menstruelle, mais ça devient automatiquement la maladie. Je prends un autre exemple. Une femme qui voit 14 jours, ça fait 10 ans qu'elle voit sa menstruation, 14 jours. C'est normal dans la charia, ce n'est pas maladie. Mais arrivé à un certain niveau, ou bien à un mois, ça a dépassé. Au lieu de 14, c'est devenu 15. Est-ce que le 15e jour-là, elle est considérée toujours dans la charia comme menstruelle? Oui. Pourquoi? Ça n'a pas dépassé toujours 15 jours. 16e jour, c'est venu. Pourtant, nous, on avait dit, pour celle qui voyait 7, qu'elle doit ajouter 3 jours. Pour celle qui voit 14 jours, elle ne peut pas ajouter 3. Parce que si elle ajoute 3, 6, 14, ça devient 17. Ça, ce n'est pas normal. Elle ajoute un jour seulement. Le 2e jour, c'est-à-dire 16e jour, elle est considérée maladive. Voilà comment on fait le calcul. Est-ce que c'est compris? Bien. On passe maintenant au troisième groupe. Walil hamili ba'da thalathati ashhurin khamsata ashra yawman. Pour une femme enceinte, avant de dire, on va maintenant se poser une question. Est-ce qu'une femme enceinte même
voit la menstruation. Non? Oui. Oui? Hein? Non? Qui a dit non? C'est le point de vue de qui? C'est qui a dit? Allah ou le prophète ou qui? En fait, pour répondre à la question, c'est important de poser souvent la question. Est-ce qu'une femme enceinte voit la menstruation? Je retourne d'abord. Depuis 400 ans, 600 ans, 700 ans avant aujourd'hui, nos savants, nos théologiens, al-fuqaha, ikhtalafu, muzul, bidaya. Nos savants même sont divergés. Est-ce qu'une femme enceinte peut voir la menstruation ou non? D'autres disent oui, d'autres disent non. Ça, c'est un. Deuxièmement, la médecine. Qu'est-ce que la médecine dit? Est-ce que la médecine dit qu'une femme enceinte peut voir la menstruation? Non. La médecine dit non. Une femme enceinte ne peut pas voir la menstruation. Hein? Mais, ça veut dire que la science, il faut toujours laisser une petite place. Il ne faut pas être un homme catégorique. C'est ça la science a dit, et puis c'est fini. C'est ça la médecine a dit, c'est fini. La médecine là, c'est une connaissance aussi. C'est des données. Ils peuvent faire faillite quelque part. Donc je reviens. La médecine d'aujourd'hui, la médecine dit qu'une femme enceinte ne peut pas avoir la menstruation. C'est-à-dire la médecine rejoint l'autre groupe de nos savants. C'est pourquoi il est très important d'accepter la divergence. Parce que la divergence te donne toujours une porte de sortie. Quelqu'un non musulman peut dire, vous les musulmans, vous ne savez rien. Comment vos livres, l'Ardori dit qu'une femme enceinte peut voir la menstruation. Pourtant, la médecine dit qu'une femme ne peut pas. Et la médecine, al-waq'i, c'est une réalité. Wal-waq'i la yukadhab. On ne peut pas traiter de mensonge la réalité. Donc, vous les musulmans, vous êtes des menteurs. Il faut lui dire simplement pour le répondre. Mais toi, comment tu peux prendre une position des savants musulmans pour traiter tous les musulmans? Non, c'est un des groupes des savants musulmans qui ont dit, en se référant à certaines choses. Mais d'autres groupes disent que ce n'est pas comme ça. Et regarde, une porte de sortie pour toi. Les alika, les savants disent que al-ikhtilaf, ou ikhtilaf l'ulama, rahma. Les hadithan. La divergence de nos savants, c'est une miséricorde pour nous. Ça, c'est un. Je reviens sur le deuxième point. Cela ne veut pas dire qu'une femme enceinte ne peut pas voir le saignement. Non. La médecine n'a pas dit ça. Il y a une différence entre le saignement et la menstruation. Tout saignement n'est pas menstruation. Mais toute menstruation est un saignement. Donc, pour reformuler la question, Hal al-hamilu tar al-hayd yumkinuna an nu'abbira an iswal bi ibaratin ukhra. Hal ma tarau al-hamilu min damin haydun. Voilà comment on doit poser la question. Si une femme venait étant enceinte voit le saignement, est-ce que ce saignement est considéré comme la menstruation ou pas? C'est ça la vraie question. C'est comme ça on doit poser la question. Parce que on a vu, moi j'ai été au courant de certaines situations qu'une femme enceinte a vu des saignements. Et quand c'est comme ça, ça doit nous faire peur. On doit directement aller voir les docteurs. Parce que la médecine dit que ce n'est pas la menstruation. Et il y a un groupe de nos savants qui sont d'accord pour ça. Donc, une femme enceinte peut voir un saignement, mais seulement que ce n'est pas la menstruation chez la médecine et chez certains de nos savants, à part les malikites. J'espère que la question est bien comprise maintenant. Hein? Une femme enceinte, quand elle voit un saignement, ce n'est pas une menstruation. Elle ne doit pas arrêter de prier. Elle ne doit pas arrêter de jeûner. Et elle doit automatiquement aller voir un docteur parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une menstruation. La menstruation est toujours normale. Mais ce saignement-là, ce n'est pas normal parce que ce n'est pas une menstruation. J'espère qu'on a bien compris. Bien. Mais chez les malikites, ils disent qu'une femme enceinte peut voir une menstruation. Mais avec des conditions, bien sûr. Parmi ces conditions-là, elle étant enceinte, elle voit le saignement et ça prend le même nombre de jours qu'elle faisait avant.
ça a la même odeur que la menstruation 2. Ça a la même couleur que la menstruation 3. C'est que c'est une menstruation chez les malikites. Mais la médecine dit que ce n'est pas facile de voir ça. Ce n'est pas possible de voir ça. Donc, tout ce qui est relatif à la science et à des recherches, il faut laisser toujours une porte de sortie. Peut-être qu'un jour, on peut voir ne serait-ce que 1% de femmes qui sera dans cet état, dans cet état-là. En ce moment, on va appliquer la charia, c'est-à-dire les règles islamiques. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, nous revenons. Et dans l'Akhdari, selon les rites marikites, quand une femme est enceinte et elle voit un saignement, et dans ce saignement-là, on a vu qu'il y a tous les critères de la menstruation, c'est que c'est une menstruation. Donc, au début de grossesse, les trois premiers mois, elle est comme toujours al-mu'tada. Cette femme qui a son homme habituel, elle travaille avec ça. Lorsque ça déborde, elle ajoute les trois jours. Lorsque ça déborde, elle est considérée maladive. Wa ba'da salasati ashhurin. Après maintenant, les trois mois de grossesse, lorsqu'elle voit le saignement qui est considéré comme menstruation avec toutes les conditions que nous avons dites, lorsque ça déborde, elle doit maintenant considérer 15 jours comme la durée la plus longue. Wa ba'da sitati ashhurin, après 6 mois, elle, c'est ishruna yawman, 20 jours, la durée la plus longue. Mais comme la médecine dit que ce n'est pas possible, on dit ça comme ça parce que ça, c'est dans le livre, et on dit au cas où une femme sera dans cette situation, on va travailler avec. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on a parlé de lorsque ça dépasse la durée la plus longue, elle devient maladive. Et cette maladive-là, qu'on appelle al-mustahada, il y a des règles qui la concernent. Mais on va laisser ça jusqu'à la fin du chapitre de la logie, c'est-à-dire le saignement après l'accouchement. Parce qu'une femme aussi qui a accouché, le saignement qu'elle fait, qu'on appelle la logie, en arabe, an-nifas, il y a une durée aussi. Lorsqu'elle dépasse, elle devient automatiquement aussi maladive, al-mustahada. Donc on va laisser les règles de al-mustahada. Après le chapitre de la logie, on va tout citer là-bas. Avant de continuer, on va revenir sur ce qu'on a dit à Mbara, parce qu'il y a un point aussi qu'on doit souligner, c'est très important. Quand une femme voit la menstruation et puis c'est coupé, la durée la plus courte pour qu'une nouvelle menstruation vienne, quand est-ce que comment on doit calculer ça? On va revenir sur ça après avoir dit ce qu'on a dit à Bambara. Alhamdulillah, mais à la fois, qu'Allah wa l'imalom, mais ça m'y kangani tando et sangani wati be la djeni. Ametrananga waladaï, walada babe boula femika, wole haïda. En kumana akiti damanamankan, l'onku temeni, dimashi temeni. Ametrani awalada toi. Anga ira mufen troko haida akorobe di anga korofo aflana joli sou joli le bebo musola mola ango saba haida joli bange joli bana joli okofe musobe haida ye kabi shi joli abedamne shi joli anyo nyafo sharia ko san konondon metini ko tuma chama 12 ans santan fla. Au coffre, nous sommes haïda betigé, 400 jolis. Sharia pour l'onika ba fama fait 100 000 euros, comme nous sommes 100 000 euros là, mettons qu'on entre 45, 55, binan l'euro, 14, bilon l'euro. Haïda la son fitini, abe wati jolike, anyo fananya fo, clé kele, l'onika ba dofe, clé saba, l'onika ba dofe, fouko kele, l'onika ba dofe. Si ça amène un minima, aksarul haid haida la son chama, c'est à dire musulman il fait nete aka haida nana amatiga na cela djati joli la sharia wa fuku haida tetu hal na sur joli be bola amo semaine temeni ile chira moko kana fo ebe malo ya ko ni be musoka kole amo musoka kole me sharia do ni mala musoka kole ile chira moko kana lon parce que musodo cheyi
wala ma muso dɔ fa ye wala ma muso dɔ balima ye a ka ko b'i bolo an ko furusa fereya a ko dulonni bɛ hayida kow kelen na n'i m'a lɔn i bɛna sariya ɲagami ka taga se kafoɲɔgɔnya yɛrɛ ma ala ko fa'tazilu nisaa fil mahid a y'a yɔrɔma diya musolamɔgɔw la k'o to hayida la n'i ma jatew lɔn i bɛna kow ɲagami i ma i ka ben yɛrɛ kan i ma i ka sariya a dan sigi ni bɔrɔtɔ donc a kan ka lɔn de maloya ko tɛ ala ka faamuya diya ma tɔyib donc hayida la sɔn caman kitabu yɛrɛ damina o de la an ka min bɛɛ fɔ semaine tɛmɛni o tɛ kitabu kɔnɔ mais an tun kan ka lɔn o kosɔn an y'a a ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ fana donc sisan hayida la sɔn caman pourquoi k'o lɔn i n'a fɔ kitabutigi ka sira min ta fiye musow yɛrɛ suguya lɔn a ko i ma musow ye suguya saba almubtada'atu daminɛ muso kuma kɔrɔ ko musoden min bɛna hayida ye siɲɛko fɔlɔ ale bɛ donna a ka san kɔnɔntɔnnan la walama san tannan na walama san tan ni kelennan la walama san tan ni filanan na hayida bɛna na siɲɛ fɔlɔ n'a nana n'a ma tigɛ a kan ka wagati joli le kɛ o kosɔn den yɛrɛ denmuso yɛrɛ ba a kan ka den yɛrɛ la faamuya na sanni ko ka na a bɛ se ka kɛ a bɛ cun den kan ekɔliso la walama dugu kɔnɔ ni den ma lɔn a b'a kɛ jatigɛko ye fɛn min na tun bɛ se ka sutura bɛɛ bɛna bɔ a kalama paseke hali i tun t'a lɔn mɛ n'a tun lafaamuyara ka k'o ɲɛ a tun bɛna se k'a yɛrɛ sutura mɔgɔ tun tɛna bɔ a kalama ile yɛrɛ min fana ye den fa ye ile de fana ka kan k'i ka muso lafaamuya den y'a bɛɛ ta le ye a ka lamɔ b'a bɛɛ le bolo nka komi nin yɔrɔ in bɛ musow ta ko le ye denmuso in tuma caman a tɛna sɔn ka na fɔ ile ɲɛna a bɛna fɔ a ba le ɲɛna ile le fana ka kan ka ba lafaamu i yɛrɛ ɲɛ b'a la n ka denmuso nin a bɛ sira yɔrɔ dɔ la sariya kɔnɔ waati dɔ la a ma kan ka seli ko in fana bɛna na n'a ma lɔn a bɛ se ka k'a ma jatigɛko ye a tun ka kan ka sutura a bɛna k'a ma lɛbuko ye bɛɛ bɛna bɔ a kalama i b'a ɲɛfɔ n ɲɛna n'a nana a kan ka kɛ ten a kan ka kɛ ten a kan ka kɛ ten sisan a lasɔn caman a ko hayida lasɔn caman daminɛtɔ muso ye min bɛna ye siɲɛko fɔlɔ o ye tile tan ani wɔɔrɔ a m'a fɔ ko n'a nana siɲɛ fɔlɔ k'a ye tile tan ni wɔɔrɔ kɛ dɛ a ko n'a nana siɲɛ fɔlɔ n'a ka tile kelen kɛ ka tigɛ falilayi hamu o ye normal de tile fila ka tigɛ o ye normal de saba ka tigɛ o ye normal de wolonwula ka tigɛ o ye normal de tan ni kelen ka tigɛ o ye normal de nka n'a dumɛna le fo ka taga se tan ni wɔɔrɔ n'a tɛmɛna tan ni wɔɔrɔ kan a ko o tɛ normal ye tuguni o ye bana le ye o la kelen sariya yɛrɛ fɛ denmuso in kan ka yɛrɛ saniya ka seli daminɛ ka sun kɛ ile fa min ta lɔn a ba yɛrɛ ta lɔn a ko an denmuso ka hayida nana a tile tan ni wolonwulanan le ye a tɛ seli la a tɛ sun na a ka tile fila min k'a ma sun don a jurumu bɛ den kan a jurumu bɛ a ba kan a jurumu bɛ a fa kan parce que kunfinya n t'a lɔn o tɛ dalilu ye dɛ n t'a lɔn o fura min bɛ n t'a lɔn na ka ɲininkali kɛ ala k'o le fɔ n ɲɛna kɔrɔna kɔnɔ fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun a ye lɔnni dungo ɲininka n'a y'a sɔrɔ a tɛ lɔnni kɛ n'a y'a sɔrɔ a tɛ lɔnni kɛbaga ye o kosɔn an y'a ɲɛɲini ka lɔn maloya ko tɛ a bɛ enregistrer olu de kosɔn a vocal olu de kosɔn an b'a publier an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn hali ni masala min taara k'i to yen n'a ko nana na i b'a ɲini ka lamɛn a audio in bɛ min a video bɛ yen a bɛ youtube kan a bɛ facebook kan i b'a ɲini ka lamɛn a bɛ hakilila tigɛ donc an bɛ sigi muso den min bɛna a ka hayida ye siɲɛko fɔlɔ jati lasɔn caman a ma kan ka tɛmɛ min kan o ye tan ni wɔɔrɔ wa n'a tɛmɛna sariya ko hayida tɛ tuguni k'a bɛ jati bana joli ye sariya ka kiti bɛ boli a kan sun ta doli seli ta kɛli nka a ye teliya joona ka taa dɔgɔtɔrɔw filɛ parce que n'an ma taga dɔgɔtɔrɔ filɛ a la lɔn a bɛ se ka kɛ problème ba ye o ye groupe fɔlɔ ye groupe filanan muso laada muso min ni laada dɔ b'a bolo a deli bɛ min na c'est à dire muso in a san bi saba le ni ye walama san mugan le ni ye walama san mugan ni wɔɔrɔ le ni ye depuis ale ka hayida fɔlɔ ye n'a nana a bɛ tile wolonwula le kɛ a bɛ tigɛ walama a bɛ tile wɔɔrɔ le kɛ a bɛ tigɛ
Aleka wati la son chama e jolie. Ako aka ladan yere cho. Tile wulon vla yere de. Ole be ala son chama e. Abana. Me kon mousso oka ladan mi flenete. Abese ake mousso dobe aka ladan e san mouran. Tile wulon vla melon dobe nan akara abe teme wulon vla yinkan. Kove ke la fana. Ono non akana ke kwa ma ke di. Zadat salatata ayyamin. Abe tile sabafara jati korokan. Tile wulon vla min ni san mouran be ka ladan yala. Kwa ye tile sabafaraka. Nika sabafara wulon vla kabe ka joli. Tan. Ko hal binama tige. Talin kele nan lon. Ate jati haidato yede. Abe jati bana joli toli. Ola abi sanya ka janaba koke. Abe seli abe sou. Sharia fleni. Ni ma lon. Tile tan kele nan lon. Nama seli nama sou. Bara lele. Mousse yme nyinga. Il est remis à Tchéi Benyinga. Parce que quand on est là, on est comme ça, on est là, on est là. Groupe Flanin Femna, comme Mousso, Djati Koroto, Djati Koro est mis en boulot. Ni l'homme in temps, on a qu'à quelque chose, Djati Koroman, Haïda Temena au camp, Abe Nyana Kononike, Fibou Konovale, Foko Alistiz Har, Nyana Kononi, Abe Ma Kononike, Tle Saba. O tle sa ben konon, hal bi ate seli ate sou nou. J'espère que yon be fam nan. San tan e nye, abe tle woulom la, tle woulom la yeke. L'om in tan nan kan ake tle shegi, ako l'on ate seli, ate sou, hal bi haida tole. Hal bi amatige konon don, hal bi ate seli ate sou. Tan hal bi ate seli ate sou, tan ni kelen akwa be seli abe sou. Fouka ni nyin kalon. Nou yon fam nan, anga saba yon foka be faraka jati korokan. Mousso be kote de. Kon mousso da obeyi. Ala ere ka leke. Depi ale ka haida ye abe na tle tan ani saba. A mousso obeyi. Ni min tabe tle tan saba. London nana kana ke atemena tan saba yinkan. Antuko wulom la tike tle saba farakan. Nika tle saba fara tan saba kan vega joli. Tan woro ote normal ye. Comme nous sommes une bête délicate, ça va. Allez, ça va fracaner, allez, flaler fracan. Parce que dans les gars, ça va fracaner avec tant de ouro. Pourtant, ma canne a été mettant l'eau l'écran. Ou là, allez, flaler fracan. Au flingue, on a clé flingue, on a été scellé à tes sous. Mettre les tant de ouro en allant, à baisser les sous. Comme nous sommes au réveil, allez, tant de nani l'écran. Depuis aller Bangela, depuis aller Baligola, avec les tant de nani l'écran, à Ka Haïdala. Samin tan nana kana kana temena ukan ale ti saba farakande ale be kelene farakan ave dafa tan ani loru ko do era biska ke ale de pele baligola be tan loru le oh si tan ale tan nana kana teme ale be joli farakan foi basa naga do faraka ave ke tan woro aduma kan akete akan ga dan tan loru nila ola na temena ukan sharia kwa be jati bana joli toye Sharia ka kitimin tunte bolakan ka to haidala o bebna siri ka bolakan et puis d'autre la boloma un bol kata d'autre flé parce que bana do damne nama ko ama abina ke ko djou bay ko fe ni tu groupe fly damne to muso la da to muso c'est un groupe sabana kono matri muso garaz gani aleka haidala mais ça na mai aleka jatifo amen ngi ngal leke est-ce que muso kono ma Abi Haïda Yewa. Anga l'on dit que bah, Sharia, figure comme on fait. Kabi sans que me voulons la sans que me chérie sans voir qu'elle au lieu de fondre encore. Donc au commandement qui est Haïda, donc au commandement qui est Haïda. Quelle flam? D'autres là qu'on dit, médecine qu'on dit, médecine qu'on, quand nous sommes à Gerezgetor, à Tisra Haïda. Est-ce que ama foko médecine islamique ka ñoo fo wa onde ama fo médecine anga islamal loni ke ba do ka mirale ka ñoo fo ko so momi me sharia mine ko fo akabo ala dalila c'est à dire qu'on a ko wala ma fo hadisa gemale ka fo ko na ngol loni ke ba to on côté ko oh oh anda nga dina mine loni ke ba bolo ibe yaram ba sa bakale ko do bina nakana yi gbende e be boro ni fu ka sege ala ka famia jamu ala ka barano yayi donc ni mo godo na na foi mawo ko aw ka slamante chain
parce que avant cela, on a comme musu chromatique, mais c'est qu'à Haïdaï. D'autres là, donc comme musu chromatique, c'est Haïdaï. À Fatima Mao, qui même une fois, t'es angolais qui va dans le côté. Sinon, donc à médecine tant fana fana foké. Ni que Bodaï qui a dit élément. Ni bika dina l'homme côté c'est qui maintenant. Mais ni bika dina l'homme, donc baraka oublie donc. Ka vidéo kumul noké, cause la main côté, comme médecine côté. Et les fana baya eko, avec l'ardori kono. Et avec l'ardori d'elle, chana ba kono. Et ah chani. C'est que l'islam a matché en Iran. Elle est le mika dina femme. Elle a famille à diamant. Très bien. Donc, médecine, vous avez dit que c'est Haïdaï. En charia, vous avez dit que 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 Naga joli miye est ce que be jati haydaya wala ma haydate hon kuma be nyon tayane sisan parce que abeke en refana kat mame ka muso doto akonoma ko aye jelié ango mame okela metin ma foko te kere mais est ce que o mimbe kelate o le haydaywa wala ma haydate hon donc metin ko haydate Sharia est reconnu, on a l'air de encore, donc haïdate. On a parlé de l'aller, médecine a mis fort, car on a l'air de voir, fangrima. Malgré la mecque d'Abou Mikala, l'ardori, le maliki allé, allé pour qu'on a fait un peu de temps, on a fait un peu de médecine qui a mis. Mais comment on a parlé de l'aller? Parce qu'il y a une vie belle, une vie pour animer. Plus de 8 milliards de personnes. Il y aura des clés, climat ou des clés, mourir sous la clé, il est belle, il m'a fait bailler. C'est pourquoi c'est très important. Ni belle ni comment faut, tout à toto. Car l'oniquement qui est commis, elle est le clé qui a belle, ni le cas une fois, tu bois quand? Il a comment de sur Londres, il a comment de rouler Londres. Moi, tu l'oniquement faut qu'à tirer quand? Et l'oniquement faut qu'à totoler. Au cas où on n'a pas, c'est la malonie qui va avec moi, notre langue va faire Wallahu A'lam. Allah le veut très bien. Donc, avec ce que Moussoula Mourdo, à Konomale, à Grezgane, à Bédjilie, mais Haïdate, ma propos, un, à Makanga Selidabla, Nabeska Sundo, Makanga Sundabla. Deux, à Eboulidjonon, Tata de Trofle. C'est que problème de. Peut-être qu'on en irait à problème. Mais Maliki a comme il faut, en tant que ma fille là, de. Alors, à Barakabla, l'on ne peut pas comme comment dois-je faire l'oni qu'on a là sans voir quel embarras tu connais au point faire barab nanana kaya parce que situation dominante nanana kaya au la saison ni mousse qu'on a mal dans nanana kaya joli mais me bol aller là abe ouati quel est une carte tigre à tuer jati chronique quel est à flanan à suma à tassa ani haïda tabe quel est parce que au volume l'oni ne à sabana à nonia c'est-à-dire à couleur ani haïda ta bekele anya jati haïda ile mais si vous l'étiez kela maintenant nana kan kedo o aso akuma be onga lon kitabu kono kaba alaka fanya jama alaka abara no waye donc l'air c'est là sinon sujet wara be en kan ami info on doit prendre la question. On va prendre la question ou bien mais sujet flan info. On prend les questions, bismillah. Si, oui. Pardon? En cas le jour est dépassé, oui. Hein? Très bien. C'est une question, mais seulement que une belle question, mais il y a son chapitre. C'est-à-dire, je reviens sur sa question. Ça a dépassé les jours. On dit qu'elle n'est plus considérée menstruelle. Elle est considérée maladive. Comment elle doit faire? Comment elle doit prier? Comment elle doit se nettoyer? On va laisser ces questions-là dans le chapitre suivant. On va bien expliquer. C'est bon? Il y a un chapitre spécialement pour ça. Nam. Amasseu ma folle. Moussou dit l'amasseu ma folle. Nam, qu'on a un nancé la main. Atna dia. Amasseu nancé la main. Une autre question? Oui, bismillah.
Oui. Elle est régulière. C'est-à-dire? Au bout d'une semaine, 7 jours. Oui. Mm-hmm. Très bien. Mm-hmm. Très bien. Une femme qui voyait habituellement 7 jours, elle a vu 7 jours, ça a coupé 1 jour, 2 jours, 3 jours, après, c'est revenu. Comment elle doit faire? Normalement, on devait parler de ça dans le livre. Si on a précédé la question, quand on va arriver, ça ne sera pas intéressant. Hein? On va laisser la semaine prochaine, on va répondre à ça. Ça peut aller? D'accord. Donc, les deux points qui ne sont pas dans les livres, Aksarul Haïd, je vais prendre comme ça d'abord. Aksarul Tour. Entre deux menstruations, combien de temps la femme peut faire? C'est-à-dire, le temps le plus long, la durée la plus longue entre deux menstruations, la Hadda, les Aksarul Tour. Une femme peut faire 1 an sans voir la menstruation. 2 ans, 5 ans. Et dans un livre, j'ai vu même, il y a des femmes qui ne voient même pas. Ça, c'est un. On revient maintenant à quoi le tour ibn al-haïdatayn. La durée la plus courte entre deux menstruations. Ça répond un peu à votre question, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, une femme qui a vu ses menstruations, 7 jours, ça a coupé. 10 jours après, elle voit encore. Est-ce que c'est une nouvelle menstruation ou bien c'est l'ancienne qui continue? C'est ce qui nous amène à connaître, c'est ce qui nous amène à connaître la durée la plus courte entre deux menstruations. Donc, selon la majeure partie des savants, c'est 15 jours. C'est-à-dire, après 15 jours, lorsque un autre saignement vient, c'est une nouvelle menstruation. Mais en dessous de 15, c'est l'ancien qui doit continuer. Comment faut faire? On va répondre la semaine prochaine. Mais ça, c'est selon la majeure partie. Sinon, chez les Hanbali, c'est 13 jours. Donc, c'est entre 15 et 13. Nous travaillons avec les 15 jours. Donc, on va s'arrêter. Il est déjà l'heure. La semaine prochaine, on va continuer. On va continuer la semaine prochaine. Wa alaykoum salam. Oui. Oui. Hein? Oui. Sans interruption. Oui. Du premier jusqu'au 15, c'est normal. Mais vous êtes venu maintenant parce qu'on a expliqué, on a bien expliqué. Pour une nouvelle femme, pour la femme qui voit nouvellement, c'est 15 jours affilés. Ça, c'est normal. Pour une femme qui a un homme ancien, 7 jours par exemple, c'est pas 15 jours. Hein. Elle a juste 3 jours. Et puis après les 3 jours, elle est considérée maladive. Là, c'est compris? Bien, calme dans la bonne combinaison. Ah, il est loin, hein? Oui. L'heure, c'est là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين